Ouais, c'est Lucie. C'était pour savoir si tu faisais quelque chose demain. Bah ouais, je proposais qu'on aille en ville. Bah comme d'habitude, bon. Mais de toutes les façons possibles, nous n'allons pas demeurer ici même le temps que ce jeune égoïste insolent vienne au rendez-vous, ne serait-ce que dans une heure, sachant qu'il aurait dû être parmi nous trois quarts d'heure auparavant. Eh, on pourrait aller voir chez lui, c'est juste à côté. Je suis d'accord, on y va. Mais non! Nous n'allons tout de même pas passer par ce sentier, il est jonché de rejets de chiens. Elisabeth, ta gueule! Mon mari n'est pas là. Hé, hey, attends. Est-ce que tu connais Clément? Ouais. Tu sais où il est? Non. Tu peux aller chez toi? Ben ouais, vas-y. Bon bah, salut. Bah, viens avec nous. Allez, viens. Ouais, ok. Bah merci de m'attendre. Je n'ai pas la moindre idée de la vérification de mon hypothèse, mais je pense que... J'ai oublié Lilian. Il a dû se faire attaquer. Je le connais, il aurait jamais laissé ça. Mais on fait quoi? On va se séparer. Moi et Emma, on reste par ici et vous allez au banquet. Regarde, c'est pas une de Lilian. Il est sûr kidnappé lui aussi. Sûrement. Pour toi, ce sera qui le prochain? Elisabeth. Et puis personne ne m'écoute. Ils vont se disputer. Je te demande juste de m'écouter. Chacun va prendre son chemin. Tu m'énerves, toi vas tout droit, moi je tourne. Le monstre va l'attaquer. Du coup, bah elle va crier. Mais arrête, mais. Et vu que leur talon, bah elle pourra pas courir. Et nous on fait quoi? On se cache. Arrête-toi! Arrête-toi! Ça se planquait! Mais elle s'est fait attaquer! Elisabeth! On attend qu'elle soit attaquée et après on suit la chose. Tu le laisses faire attaquer! T'as un autre plan! Lucie! Emma! Ah! Vite! Bah. Oh putain, c'est un massacre!
sais que tu voulais pas les tuer, Sully, mais je pouvais rien plus voir. Le pétasse là avec ses manières et le geek avec sa déesse tout le temps sous les yeux. Tu m'en veux pas, hein?